Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu dans l'émission dans les relations cachées de la parole du Dieu véritable. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toute forme de vie, de ce clair, grand, glorieux et terrible. Aujourd'hui, je vais donner une autre sorte d'enseignement sur doit-on invoquer le sang du Christ? Parce que vous savez qu'actuellement, plein de gens, même dans les assemblées, même dans les soi-disant religions, ils invoquent beaucoup le sang. Et principalement, d'autres invoquent beaucoup le sang du Christ. Et ils demandent que le sang du Christ vienne couvrir les maisons, puisse protéger les sommeils, puisse purifier les pensées, puisse préserver des souillures du corps. Et nous allons donc voir bibliquement si on doit invoquer le sang du Christ, si c'est diabolique ou pas. Donc, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 de la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Et encore dans Deutéronome 29-29 que les choses cachées sont à Dieu, au Père Tout-Puissant. Et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Dieu grand, glorieux, redit et terrible, dit dans Jérémie 33:3, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'on va entrer d'abord par l'Esprit de Dieu, bien entendu, le véritable Saint-Esprit que les apôtres ont reçu dans Jean 20:22. Nous allons entrer dans les Odes, chapitre 12, au verset 23-24, où, selon l'histoire, c'est-à-dire selon la Torah, selon les Odes, Moïse était en Égypte, et quand il devait sortir de l'Égypte, Dieu devait protéger le peuple, c'est-à-dire Dieu devait envoyer le fléau. Vous voyez? Mais ça, on parlera encore de ça une autre fois par rapport à le personnage de Moïse, c'est-à-dire de Moïse, parce que plein de gens posent des questions maintenant. Est-ce que, vu que j'avais démontré que les 400 ans d'esclavage en Égypte n'ont pas pu avoir lieu, est-ce que Moïse, le personnage de Moïse, a-t-il réellement existé? Donc, pour ça, on parlera de ça dans une autre vidéo quand le Père le voudra. Mais toujours est-il que dans Exode chapitre 12, verset 23-24, il est dit « Quand le Seigneur passera, parcourra l'Égypte pour frapper du fléau et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux montants de la porte virgule, le Seigneur passera et il laissera par le destructeur et son fléau entrer chez vous. » Point. Donc on vous apprend cela, que Dieu Tout-Puissant, il dit à Moïse que de mettre le sang sur le linteau, dans d'autres versions on dit sur le poteau, sur les battants à l'entrée des portes, d'autres c'est sur les portes. Et quand Dieu verra le sang, il ne permettra pas que il ne permettra pas plutôt que le fléau, le destructeur, puisse passer, puisse entrer, puisse frapper avec son fléau. En fait, le sang, c'était une sorte de protection. Le sang, c'était un signe, c'était une métaphore, c'était un symbole, c'était une représentation symbolique. Donc, nous allons donc voir c'est quoi ce sang-là. Est-ce que c'est un sang réel ou bien c'était une métaphore? Mais avant ça, Dieu dit ici là que le destructeur ne passera pas. En fait, le destructeur, c'est qui? Le destructeur, c'est un ange. Vous voyez? C'est un ange qui vient de la part du Père Tout-Puissant. Il est là, c'est l'exterminateur, c'est le destructeur. Et il vient avec le fléau. Le fléau, c'est quoi? C'est sa garde rapprochée. Quand il dit sa garde rapprochée, ce sont ses compagnons, ce sont ses... ce sont ses lieutenants, si vous voulez. Donc, le destructeur, c'est un ange en chef qui est devant, et le fléau, ce sont ses soldats. Donc quand ils viennent, bois, 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 ils commencent à frapper. Mais là, c'est spirituel. Là. Donc, pour ça, et ensuite Dieu dit ici, là, vous observerez cela comme une prescription pour vous et pour vos enfants à perpétuité, point. Donc, la perpétuité, c'est quoi? C'est pour toujours. Donc, la perpétuité, là, il n'y a pas de fin. Donc, est-ce que... C'est pour ça que ceux qui se disent chrétiens actuellement vont toujours invoquer le sang du Christ, soi-disant, ils vont dire, oui, mais sa perpétuité. Nous allons donc voir pourquoi Dieu dit à perpétuité et pourquoi maintenant, soi-disant, le sang du Christ a purifié déjà. Et pourquoi est-ce qu'on ne doit plus mettre le sang sur les portes? Pourquoi on ne doit plus... Parce que Paul lui dit, abstenez-vous de toute espèce de sang. Nous allons donc voir ce sang-là, qu'est-ce que ça représente. Donc, dans Exode chapitre 12, Exode, bon... Dans Exode, chapitre 12, verset 13, il est dit, « Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Vous voyez? Quand je frapperai le pays d'Égypte. Et c'est quoi le sang? Le sang représente quoi? Nous allons voir ça dans Lévitique chapitre 17 au verset 11 qui dit « Car l'âme de la chair est dans son sang. » Verset 14 « Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. » Donc, vous devez savoir ici que quand Dieu dit
à Moïse de mettre le sang sur le linteau, sur les bois, sur le poteau, c'est-à-dire sur la partant. Ce sang-là, ce n'est pas un sang physique. Vous voyez, ce sang-là, c'est une métaphore, c'est une représentation symbolique. Ce sang signifiait quoi? C'est quelqu'un, c'est l'âme de quelqu'un, c'est-à-dire c'est une personne, parce que l'âme correspond au sang. Vous voyez, c'est une personne qui devait se mettre à la brèche, qui devait intervenir pour les Hébreux. Pour les Hébreux, pour le peuple de Dieu, ce sang-là représente un individu, représente une personne de Dieu qui se tient à la brèche. C'est pour ça qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 22, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, qui dit « Je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. » Et la brèche, c'est quoi la définition de brèche? C'est entaille ouverture faite dans un mur, vous voyez, c'est une entaille. Dans une entaille, même sur un poteau, il y a une brèche, on fait un trou. Donc c'est pour ça que Dieu dit d'abord dans Ésaïe chapitre 12, verset 23 à 24, que vous devez prendre le sang et mettre sur le mur, c'est-à-dire sur les poteaux. Et on sait que souvent les poteaux, il y a la brèche. Donc, et Dieu dit qu'il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. Donc, c'est l'âme qui représente le sang. Donc, c'est quelqu'un qui devait se tenir à la brèche devant Dieu pour que l'exterminateur ne frappe pas. Est-ce que vous comprenez? Bon, devant moi, en faveur du pays, enfin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Psaume 103, verset 23. Et il parlait de les exterminer, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Donc, pour ça, nous allons aller dans Hébreux chapitre 10, au verset 4 à 5, qui dit « Car il est impossible, vous voyez, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Vous voyez, et dans Hébreux chapitre 2, au verset 14, il dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Donc, on va, je vais m'arrêter dans la virgule, entrer dans les profondeurs. Premièrement, vous savez qu'il y a plein de ceux qui sont autoproclamés, pasteur, révérend, bishop, maréchal, même les archéologues, les physiciens, bon, pas les physiciens, les archéologues, les biblistes, plein de certains scientifiques dans le monde des croyants, essayent de parler du Christ, sans toutefois connaître le mystère réellement du Christ. Et la question que moi, j'aimerais vous poser, c'est quoi? Elle est tout simple. Pourquoi c'est le Christ qui est venu sauver l'humanité? Pourquoi c'est le Christ qui est venu sauver son peuple? Pourquoi Dieu a choisi le Christ? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé un ange? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un ange, un chérubin, un archange, un séraphin, trondité, domination, autorité ou un ophanime? Ou l'un de... C'est-à-dire pourquoi Dieu n'a pas envoyé le deuxième né ou le troisième né pour sauver l'humanité? C'est-à-dire comme le Christ l'a fait. Pourquoi, tout simplement, Dieu n'a pas choisi un homme sur la terre qui ne vient pas du ciel, mais un humain simple qui est mort, c'est-à-dire qui est né sur la terre pour sauver l'humanité. Puisque Adam n'est pas né dans le ciel. Adam est homme à 100%. Donc, si Adam était homme, il a péché. Pourquoi donc Dieu va envoyer un être spirituel qui va prendre un corps physique? Dieu aurait pu aussi envoyer un humain aussi sur la terre. Puisque c'est un humain qui a péché, il aurait aussi dû envoyer aussi un humain, sûrement. Parce que j'ai entendu ces gens de discussions où les gens disaient Christ était le seul qui pouvait faire cette mission. Parce que si Dieu envoyait un ange, l'ange allait échouer. Et je vous dis que c'est faux. Je dis bien, je vous dis que c'est faux. On va vous donner la révélation. Pourquoi c'est Christ qui est descendu? Pourquoi pas le deuxième né? Ou un ange, ou une autre sorte d'entité? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi un prophète sur la terre pour mourir directement? Bon, c'est très simple, vous voyez. C'est pour ça qu'il dit, vous ne connaissez pas qui est le Christ. Vous ne connaissez pas, personne de vous n'a assisté au conseil du Père quand Christ descendait. On va vous expliquer ces choses-là. Donc, Dieu a envoyé le Christ tout simplement parce que, en tout cas, Dieu a envoyé le Christ, lui, le premier-né, pourquoi? Parce que celui qui a fait pécher l'homme, c'est-à-dire celui qui a fait en sorte que le péché entre dans le monde,
c'est une entité, c'est un esprit. Comprenez la révélation. Comprenez la révélation à tous ceux-là qui se disent pasteurs. Comprenez la révélation avec vos gros ventres remplis de chikwang. Comprenez la révélation avant de dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui. Il faut savoir pourquoi il a envoyé ce fils-là. Et ce fils-là n'est pas le fils unique. Il n'est pas le fils unique. Il est le fils premier-né. La notion de fils unique n'existe pas. Parce que le Christ lui-même dans la parabole, c'est-à-dire, il a expliqué, il a raconté une histoire par rapport au fils prodigue. C'est un père qui représentait le père lui-même, c'est-à-dire Dieu. Et le père avait deux fils, vous voyez. Un qui est sorti, qui a fait n'importe quoi, puis il est revenu. Et le père l'a recueilli. Donc, vous devez comprendre ici là, que la notion de fils unique n'existe pas. C'est pendant le concile de Nicée qu'ils ont instauré cela. Hein? Bon, mais pourquoi Dieu a spécialement envoyé le premier-né? Tout simplement parce que Satan, l'ancien jadis chérubin, ou le premier déchu, a fait en sorte que le péché vienne dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Il a séduit une femme et la femme a séduit son mari, a écouté la voix de son mari. Le mari a écouté la voix de sa femme. Donc, à cause de Satan, c'est-à-dire à cause d'un esprit qui venait du ciel, qui venait d'en haut, le péché est venu dans le monde. C'est pour ça qu'il a fallu aussi qu'il y ait aussi un esprit qui vienne sur terre. Comprenez? Il a aussi fallu qu'un esprit vienne sur terre pour racheter ce péché-là qu'un autre esprit, c'est-à-dire qui venait d'en haut aussi, avait introduit dans le monde. Premier point. Ça, cet enseignement, vous allez entendre ça nulle part ailleurs. C'est la première fois que vous entendez ça. Le pourquoi le Christ est venu. Pourquoi c'est lui-même qui est venu en fait. Donc, Satan étant un être spirituel est descendu sur terre. Il a pris un corps physique. C'est-à-dire il a possédé un serpent. Un corps physique fait de chair, de sang et d'os. C'est la raison pour laquelle il a fallu aussi qu'un être spirituel aussi puisse descendre et prendre aussi un corps. C'est pour ça que Christ aussi a pris un corps physique. Donc il devait être égalité déjà. Et pourquoi maintenant c'est Christ lui qui est venu? Pourquoi c'est le premier né qui est venu? Pourquoi pas le deuxième né? Tout simplement parce qu'il est dit dans Job chapitre 30, dans Job chapitre 18 au verset 13. Les parties de sa peau sont l'une et l'autre dévorées par les membres, par ses membres. Vous voyez, je répète, dans Job chapitre 18 verset 13, les parties de sa peau sont l'une d'après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. On vous apprend que Satan, l'ancien jadis chérubin Ouin, est le premier-né de la mort. C'est-à-dire, c'est le premier fils de la mort. C'est le premier-né de la mort. Il a aussi fallu l'équivalent du premier-né de la mort, c'est-à-dire le contraire. Il a fallu le premier-né de la vie, parce que Dieu est la vie lui-même. Il est la vie éternelle. Dans Jean 17, 3, la vie éternelle est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Donc, Dieu étant la vie lui-même, il a fallu que le premier-né de la vie puisse venir affronter le premier-né de la mort. Ça s'appelle l'égalité. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Je répète encore. Christ est venu. C'est Christ lui-même. Le premier-né est descendu. Pourquoi? Parce que celui qui a introduit le péché dans le monde, qui a fait en sorte que le péché vienne dans le monde, c'est un être spirituel qui est descendu et qui a pris un corps physique. C'est-à-dire qui a pris l'apparence du serpent. On parle de ça d'Apocalypse chapitre 12 au verset 9. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Donc, ce jadis chérubin ou un de cette tête spirituelle est descendu sur la terre, il a pris un corps physique, c'est-à-dire en forme de serpent, il a séduit la femme. Et c'est lui qui est le premier-né de la mort. Le premier-né de la mort. Il a aussi fallu qu'un être spirituel aussi puisse descendre, prendre aussi un corps. Mais sauf que lui, il a pris un corps humain. Et il aussi étant le premier-né de la vie, dans premier-né de la vie contre premier-né de la mort. Parce que Dieu ne se trompe pas. Vous voyez? Donc, ça, c'est logique. Donc, avant de venir prêcher que Dieu a envoyé son fils, il faut savoir pourquoi il a envoyé ce fils-là. Pourquoi c'est lui qui l'a envoyé. Donc, arrêtez de raconter des hérésies en disant si Dieu avait envoyé le deuxième né, ou bien s'il avait envoyé un ange, s'il avait envoyé le troisième né, ou bien s'il avait envoyé un chérubin, un séraphin, ils allaient échouer. C'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. On vient de vous expliquer pourquoi c'est Christ lui-même qui est descendu. Ça, c'est logique. Vous voyez? Donc, pour ça, nous allons donc continuer sur le son. Hébreux, chapitre 9, au verset 11 à 14, qui dit: mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Vous voyez, virgule. Christ étant venu, il est venu comment?
Vous voyez cela dans Philippiens 2, 5 à 9. Ayant vous les sentiments qui étaient au premier-né, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Dépouiller, c'est quoi? C'est d'enlever sa divinité. Se dépouiller, c'est quoi? C'est d'enlever sa puissance. S'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donc, Christ ici étant venu, il est venu avec la chair, le sang. Il l'a sang. Donc, Christ était à 100% humain sur la terre. Vous voyez, ayant passé par le tabernacle plus grand et plus parfait, il n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'a point été de cette création, c'est-à-dire de ce monde créé, de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec le sang de bouc ou des taurions, vous voyez, ou des taurions, dans d'autres versions on dit veau, on dit chèvre. Les taurions, ces petits taureaux. Bon. Mais avec son propre sang. Point. Je m'arrête d'abord dans ce point, j'entre en profondeur. Plein de gens qui n'ont aucune connaissance, aucune notion, qui se disent pasteur, révérend, bishop, apôtre, qui se disent homme de Dieu inspiré, viennent raconter des hérésies en disant, vous voyez, ce verset dit ici, là, que Christ est entré dans le ciel avec son propre sang, et là-bas, là, il a son propre sang à purifier. N'importe quoi. Ça, ce n'est pas ce que ce verset dit. Le verset dit plutôt que Christ est venu. Il est mort. Il a versé son sang sur la terre. Et plus tard, il est reparti, il est entré dans ce sanctuaire. Est-ce que vous comprenez? On va mieux vous expliquer. Car, bon, je répète, c'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de la génisse qu'on repense sur ceux qui sont souillés les sanctifie quant à la pureté de la chair, virgule, si cela est vrai, virgule, le sang du Christ doit être encore beaucoup plus puissant. Point. En effet, par l'Esprit Saint, le Christ s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, oui, ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Point. Alors, nous pouvons servir le Dieu vivant. Verset 24. En effet, le Christ n'est pas entré dans un temple fait de mains d'hommes, des mains humaines plutôt. Ce temple-là, c'est seulement la copie, vrai lieu saint. Mais c'est dans le ciel même que le Christ est entré, où il se présente maintenant en notre faveur devant Dieu. Il est entré dans ce temple-là après sa mort dans le ciel et non. Christ n'est pas mort dans le ciel. Donc le sang du Christ n'a pas été versé dans le ciel. Donc tous ceux-là qui n'ont aucune connaissance, qui viennent dire, ouais, mais on invoque toujours le sang du Christ parce qu'actuellement le sang du Christ dans le ciel est toujours en train de purifier. N'importe quoi. La parole dit dans Hébreux, chapitre 10 au verset 12, dans la Bible en français courant, le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour les péchés, virgule. Il a fait ce sacrifice, oh, pas dans le ciel, mais sur la terre. Et cela pour toujours. Pour toujours, donc, le sacrifice, le sang du Christ a coulé une seule fois. C'était sur la terre, c'était sur le bois, c'était sur le poteau. C'est là où son sang a coulé. Son sang n'a pas coulé dans le ciel. Son sang a coulé là, sur la terre. Frère, c'est que, bon, pour toujours, puis il s'est assis à la droite de Dieu, puis... Vous voyez, on vous dit qu'il a fait le sacrifice, donc son sang a coulé sur la terre. Maintenant, on dit, puis, le puis là, c'est quoi? C'est que c'est après sa résurrection, il est reparti. Il est reparti. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Corinthiens. Donc, pour tous ces amateurs qui invoquent le sang de Christ, vous êtes fous. Je dis bien, vous êtes fous. Vous avez perdu la tête. Vous pouvez peut-être penser une injure, vous êtes devenu fous. C'est la folie, en fait. C'est le démon que vous invoquez. Vous êtes des cannibales. Vous êtes des vampires spirituels. Vous avez perdu la raison. Les chromosomes spirituels. Donc, tous ceux qui invoquent le sang du Christ pour vous purifier, pour purifier vos maisons, vous êtes une abomination devant Dieu. Je dis encore, Christ dans le ciel n'a pas le sang. Est-ce que vous comprenez? Christ n'a pas le sang dans le ciel. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50, dans la Bible du Semeur.
1 Corinthiens 15, 50, la Bible du Semeur, ce que je dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Mais comment vous allez me dire que Christ accède le royaume de Dieu avec son corps physique, et son corps physique, il y a le sang, mais vous invoquez encore ce sang-là pour que ce sang puisse vous purifier, alors que Paul vient de dire le contraire, que la chair physique et le sang ne peuvent pas aller dans le royaume du Père. Donc Christ vient violer cette loi-là, alors que Paul y parlait, selon la Bible, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, va se contredire, il va contredire Christ, ou Christ va contredire le Saint-Esprit. Réfléchissez quand vous venez invoquer du n'importe quoi. Réfléchissez. Dans la Bible, parole de vie, ce qui est fait de chair et de sang ne peuvent pas participer au royaume de Dieu. Bible du Semeur, comme je viens de lire, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Romains 10, verset 13, dit quoi? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, et non quiconque invoquera le sang. Vous voyez? Quiconque invoquera le nom et non le sang. Hébreux, chapitre 12, verset 24, dans la Bible du Semeur. On vous dit quoi? Vous vous êtes approchés de Christ, virgule, le médiateur d'une nouvelle. Vous voyez? D'une nouvelle, virgule, d'alliance, tout ça là. Dans deux versions, on dit, normalement c'est une nouvelle alliance. Et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. On a dit son sang répandu, et non son sang qui continue à se répandre. Son sang qui s'est répandu, c'est dans le passé. C'est dans le passé. Donc, si vous invoquez encore le sang du Christ, c'est comme si vous le reprenez, vous le remettez sur le bois pour que le sang coule encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'invoque pas le sang du Christ. C'est une abomination. Le sang représente quoi? Ça représentait l'âme de quelqu'un qui s'est sacrifié. Donc, quand le sang de Christ a coulé, ça représentait, c'est-à-dire sa mort. Et c'est-à-dire, il se tenait à la brèche. C'était le fils de la vie, le premier fils de la vie, contre le premier fils de la mort. C'était un combat qui se sont livrés. Vous voyez, c'est un combat qui s'est livré. Donc, arrêtez une bonne fois pour toutes. Comme vous pouvez constater, la vidéo n'a pas mis long, en fait. C'était juste un petit aperçu pour vous montrer, en fait, le pourquoi Christ, pourquoi c'est lui qui est venu. Christ est venu parce que c'est un être spirituel. Étant être spirituel, il fallait qu'il descende parce que c'est un être spirituel qui a fait en sorte que le péché vienne dans le monde. Et cet être spirituel, connu sous le nom de l'ancien Jean du Chérubin 1, a possédé un corps, c'est-à-dire un corps physique fait de chair, de sang et d'os de sang. C'est pour ça que le fils du Père, c'est-à-dire l'un des fils du Père, le premier-né, aussi est descendu, il a aussi pris un corps. Ça, c'est la logique. Maintenant, Satan étant le premier-né de la mort, il a fallu que le premier-né de la vie vient l'affronter. C'est pour ça que c'est le Christ le nom qui est venu. Et son sang a coulé une seule fois, et son sang ne coule plus. Donc, tous ceux qui invoquent le sang de Christ, vous êtes une abomination devant Dieu. Vous êtes une abomination devant Dieu. Je dis bien une abomination. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, et non quiconque invoquera le sang. C'est fini. Il a versé son sang une seule fois. Donc, arrêtez une bonne fois pour toutes d'invoquer le sang. Ben, vous ne savez même pas ce que vous invoquez. Vous ne savez rien. Arrêtez de quand vous priez, vous ne savez même pas ce que vous dites. Vous ouvrez vos bouches, blablabla, vous dites, vous parlez en langue. Vous invoquez le sang de Christ, vous criez. Mais attendez. Faites attention avec les choses spirituelles. Faites très attention. Si vous ne connaissez pas les choses spirituelles, faites très attention. Faites très très attention. Faites très attention. On n'invoque pas le sang du Christ. Mais vous, mais... J'en ai terminé. Que le Père soit loué.